Bonjour à tous et bienvenue sur les revues du foutu. On se retrouve aujourd'hui sur un jeu que j'attendais particulièrement et dont la vidéo a été annoncée à de multiples reprises sur ma chaîne. Elle arrive enfin. C'est Assassin's Creed Unity, comme vous pouvez le voir, hein. La cathédrale, hein, de Notre-Dame de Paris. Donc on est bel et bien en France, dans Paname, pendant la Révolution, avec tout ce qui peut la constituer en termes de cadre historique, et on est sur un jeu, ma foi, plutôt sympathique côté esthétique, même si j'en reparlerai un petit peu plus tard. Alors là, en termes d'avancement, rassurez-vous, je vais pas trop vous spoiler, parce que je vais pas faire de mission principale déjà. Je vais un peu parler du contexte. On connaît les Assassin's Creed dans la manière d'être en termes de jeu. Donc j'ai plus parlé de cet opus en particulier. Donc à savoir, donc, du coup, Assassin's Creed Unity, c'est forcément édité par Ubisoft. Ça, on commence à connaître un petit peu la série et l'éditeur. C'est développé par Ubisoft Montréal, même s'ils sont aidés par des tas de studios autres de chez Ubisoft. C'est toujours la primeur à Ubisoft Montréal. C'est de l'action-aventure en monde ouvert et c'est sorti sur PC One et PS4 uniquement le 13 novembre 2014. Et oui, uniquement pourquoi? Parce que c'est le premier Assassin's Creed next-gen. Du coup, bah, on a affaire à un épisode qui n'est que sur les next-gen. Et donc, bah, on a eu affaire au Assassin's Creed Rogue sur les PS3 et Xbox 360, qui sort d'ailleurs ces derniers jours sur PC, que je vais bientôt acquérir, et dont j'espère, même si je sais qu'il sera peut-être moins beau, parce que des faits avec le moteur graphique du 3, si je ne dis pas de bêtises, enfin du 3 qui avait déjà été un petit peu amélioré pour le 4. Donc grosso modo, on va avoir le droit à un 4 bis avec une histoire totalement différente, qui a l'air, ma foi, très intéressante. Donc ouais, je vais acquérir ça et on va espérer qu'en termes de finition, ça soit un petit peu plus sympa que sur Assassin's Creed Unity. Mais encore une fois, j'en reparlerai plus en précision à la fin de la vidéo. Côté cadre historique, ben ça on le sait maintenant. On est à Paris pendant la Révolution et... Oh là, oh là, ouais, un petit bug. Alors là, on a lancé un combat, donc on va le faire. Donc, on est à Paris, pendant la Révolution française. On est un assassin, tout du moins fils d'assassin, qui va se révéler être un assassin par la suite, mais pour des raisons qui lui sont personnelles. Donc en fait, on incarne Arnaud. Arnaud, donc on comprend vite, au tout début, dans les premières vidéos, que c'est un fils d'assassin. Mais son père est très très vite éliminé. On comprend ce qui se passe, mais je vais pas vous le dire, je préfère vous laisser la surprise. Grosso modo, ils traînent toujours avec une petite fille, avec qui ils font les 400 coups. Et du coup, le père de cette petite fille va l'élever, et il se trouve que le père de cette jeune fille est un templier. Du coup, lui, il est élevé par un templier qui lui apprend rien du cycle des templiers. Il ne sait même pas qui est réellement son père, son tuteur. Mais il le découvre le jour où ce tuteur est assassiné. Et du coup, il cherche à savoir ce qui s'est passé, quelle est la raison de cet assassinat, pourquoi il est mort, qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Et ça va le pousser à devenir un assassin pour à la fois écumer les rangs des Templiers et en apprendre plus pour ce meurtre, et tuer les responsables du meurtre de son tuteur. Alors là, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de choses comme ça qui se passent dans la rue, en plus des missions, que ce soit secondaires ou principales. C'est des petites interactions dans la ville à faire et qui débloquent au fur et à mesure des items. Puisque le système de jeu en termes de combat et de progression a vraiment radicalement changé. Ça, c'est vraiment un plus pour moi. Grosso modo, le niveau de difficulté des missions que vous allez pouvoir faire s'ajuste au matériel que vous avez sur vous, c'est-à-dire que plus votre matériel est performant, plus le niveau de votre personnage est performant. Ça, on le voit sur le petite partie du HUD en haut à gauche. Donc là, vous voyez par exemple ce qui est en encadré, c'est le nom de ma team parce qu'il y a une grande proportion multijoueur sur ce jeu. Et ce qui est au-dessus, donc j'ai les quatre petits carrés, c'est mon niveau d'équipement qui me permettent du coup de me battre
plus ou moins facilement contre des ennemis de rang 4, et ce qui me permet de me faire poutrer largement contre des ennemis de rang 5, puisqu'il faut le savoir, première chose à savoir sur Assassin's Creed, c'est que les combats sont devenus un petit peu plus élitistes que dans les anciens. On peut se faire tuer, et on peut même se faire tuer très souvent dans ce jeu. Donc c'est toujours un point positif. Pour revenir sur la qualité de l'histoire de jeu, il y a quelque chose qui se détache depuis quelques Assassin's Creed, c'est que le scénario sur le jeu en lui-même est très très sympa. C'est-à-dire que l'univers de Paris est très bien utilisé, les personnages sont plutôt sympas, même si Arnaud est un peu effacé. On rencontre plein mal de personnages secondaires, intéressants. Et l'histoire en elle-même, quand on l'a finie, on est attaché au personnage et on est content de l'avoir fait. Par contre, gros souci que j'ai avec l'Assassin's Creed, c'est qu'on nous a quand même vendu Watch Dogs comme le successeur d'Assassin's Creed en termes de grosse série de jeux au monde ouvert d'Ubisoft, en nous disant aussi que bah, on le faisait parce que Assassin's Creed touchait à sa fin. Enfin, moi je veux bien que ça touche à sa fin, mais à un moment donné, du coup, il va peut-être falloir en avancer sur l'histoire et le terminer. Parce que là, ça ne marche pas. Ça n'avance pas. Ça n'avance pas du tout. On n'apprend rien sur l'évolution de Desmond. On n'apprend rien sur le combat actuel des Templiers et des Assassins. Je subodore, pour employer des mots qui me dépassent, que le film qui est en train de se produire, va développer cette histoire dans de plus grandes largeurs, et que du coup l'épisode de Londres nous en apprendra peut-être un petit peu plus aussi, et que du coup la série peut s'accélérer très vite, mais en tout cas entre le 4 et celui-ci, on n'avance pas franchement dans l'histoire globale d'Assassin's Creed. On a un petit peu l'impression d'avoir affaire à un Paranormal Activity où quand on commence à avoir des éléments intéressants, on revient en arrière, quoi. C'est un petit peu relou. En dehors de ça, sur le gameplay lui-même du jeu, on est vraiment, c'est du lourd, c'est du lourd. Pour moi, c'est un des meilleurs Assassin's Creed en termes de gameplay. C'est-à-dire qu'on revient sur des bases de déplacement des premiers. C'est-à-dire qu'en gros, on a la touche pour courir qui est la gâchette R2 sur la Play, RT sur la Xbox. On court et on appuie soit sur X ou A pour monter en termes de déplacement donc vertical, soit sur B pour descendre. Et ça, je dois avouer qu'ils ont grandement amélioré le parcours en descendant. Et là, par exemple, j'appuie sur B, hop, et il le fait tout seul. Alors certes, pour certains, vont être un peu déçus parce que ça reste quelque chose de très automatique, mais en tout cas, on n'est pas en train de s'agripper à la paroi à chaque fois qu'on veut descendre. Ce qui était franchement frustrant. Donc la question combat, je vous disais que c'était un petit peu plus dur. Forcément, là, c'est pas le cas parce que bah, les ennemis sont de niveau 2. Là, comme vous pouvez le voir, on a de nouveaux finishes. On a pas mal d'armes différentes dans celui-ci. On retrouve les arbalètes, les couteaux, les armes à deux mains, les marteaux, les haches. On a un peu pas mal de choses. En accessoires, on a toujours les grands classiques, les pics pour ralentir la course, les espèces de grenades flash, les grenades de fumée, le jet le jet, comment dire, de thunes. On peut toujours se faire un peu des amis au sein de la ville pour nous aider pendant les missions un peu plus périlleuses. Il y a vraiment tout le contenu de base d'un Assassin's Creed et ils ont rajouté des choses plus ou moins intéressantes. Ils ont voulu rajouter des systèmes d'enquête qui, certes, sont sympas au début, mais sont franchement relous à la longue. On se retrouve à aller dans tous les coins de la ville, à utiliser en plus des zones de TP pour aller de plus en plus vite. Enfin, franchement, je vois pas trop l'intérêt d'aller dans des grandes zones de la ville pour enquêter sur tel et tel truc et revenir et dire oui, c'est lui, enfin, ça, c'est un Cluedo interactif, quoi. Ouais, bon. Pourquoi pas, ça enrichit le jeu, mais si on est comme moi et qu'on veut faire le jeu à 100%, c'est pas franchement génial. Après, en termes de combat, comme je vous dis, il est plus dur, il est plus complet. Le système d'esquive est vraiment au poil de cul. Le gros problème que j'ai, moi, avec les combats, c'est que ça dépend du coup du timing. Et que comme vous avez pu le voir sur cette vidéo, ce n'est pas un problème de l'acquisition. Il y a des problèmes de timing. Alors, je vais essayer de lancer un combat.
Et voilà, tac. Donc là, c'est parfait. Là, le jeu est fluide. Donc je peux anticiper, contrer, sans problème. Mais de temps en temps, le jeu va bugger. Et du coup, vous appuyez, mais pour lui, vous avez appuyé trop tard. Et du coup, bah, vous voyez mourir comme une merde, alors que le timing était bon. Tout ça parce que le jeu a un tout petit peu buggé. Et je suis content de faire cette vidéo finalement plus tard, parce que franchement, bah, comme d'habitude, pour un jeu Ubisoft, mais sur celui-là, c'était quand même la perle, le jeu est sorti légèrement fini à la pisse, comme dirait MV. C'était pas possible, quoi. C'était optimisé avec les pieds, comme j'aime bien le dire moi, optimisé avec les pieds. Aux petits oignons, quoi. Franchement, c'était limite pas à sortir tout de suite. Et autant, généralement, c'est toujours le cas chez Ubisoft sur les versions PC, mais là, c'était en plus le cas sur les versions console. Il a fallu attendre des mises à jour massives pour qu'ensuite le gameplay soit réajusté un petit peu. Et que du coup, on ait certes des pertes en termes de fluidité, mais qu'elles ne soient pas trop dures sur le gameplay. Là, ce que vous pouvez voir, donc c'est le jeu qui tourne sur PC. En termes de texture, je suis pas au top, mais je suis quand même bien placé. Je suis limité à 40 ou 50 FPS, pas 60, parce que mon PC me le permet pas. Je vais changer ma bécane pour essayer de voir ce que ça va donner. J'en ferai peut-être une vidéo pour le voir tourner à plein pot, mais là, vous voyez déjà, moi je trouve, en termes de texture, le jeu est quand même relativement joli. C'est mine de rien assez fluide. Le 30 FPS sur un jeu comme ça suffit. On n'est pas sur un multijoueur élitiste, donc le 30 FPS ça suffit. Moi, tant que le jeu est fluide, je me fiche que ce soit du 30 ou du 60. Un beau 1080p en 30 FPS sur un jeu solo, je m'en fous. Là, on a encore, vous voyez, quand même des petits problèmes de clipping. Ouais, les doubles exécutions sont magnifiques dans le jeu. Ça, c'est un truc. Là, le jeu en tout cas a gagné en fluidité. C'est vrai que pour ceux qui ont dû le faire au moment de sa sortie, vous pouvez le voir, hein, le jeu a clairement gagné en fluidité. Et moi, le problème que j'ai eu sur ce jeu, clairement, pour tout vous dire, c'est que j'ai adoré le background, j'ai apprécié l'histoire. Je vais pas dire adoré parce que je vous dis ça avance pas assez sur le principal, mais j'ai apprécié l'histoire. J'ai adoré du coup le cadre et me dire voilà, c'est à Paname, le jeu est en plus assez beau, donc j'avais très envie de le faire, mais j'étais bloqué par ces problèmes techniques. Sur un triple A, ça fait tout de suite tâche et ça bouffe le plaisir de jeu. Donc, ouais, c'est vrai que là maintenant, je me dis effectivement, avec la qualité qu'il a actuellement, pourquoi pas? Pourquoi pas? Même si vous voyez en fait en baissant les textures, vous voyez que ça bave sur le lointain. On voit les bâtiments, mais ça bave. Ça, c'est parce que je peux pas afficher les textures de loin. Après, est-ce que c'est vraiment gênant? Non, pas vraiment. Ça bouffe pas. Ça me bouffe pas le plaisir de jeu. Mais c'est vrai que le manque de fluidité, c'est horrible. Après, au-delà de ça, comme je dis, graphiquement, il est quand même relativement joli, surtout qu'on a des foules de plus en plus denses. Donc mine de rien, c'est pas gênant quoi, c'est pas gênant. Après, à savoir que sur la dimension du multijoueur, il est très intéressant. Alors on a plus le multijoueur, je dirais classique des Assassin's Creed où finalement personne n'était sur les serveurs. Et moi pourtant je le trouve très très intelligent. Les multijoueurs qu'il y a sur le 3, sur le Brotherhood sont excellents, mais il n'y avait personne sur les serveurs, personne ne joue au multijoueur d'Assassin's Creed, et c'est un tort, c'est un tort. Je ferai d'ailleurs une vidéo d'ici peu de temps sur la série des Max Payne, et c'était pareil avec le Max Payne 3. Tout ça parce que c'est des jeux en multijoueur à la troisième personne, les gens ne les testent pas, ou les apprécient pas à leur juste valeur, et c'est un tort, c'est des jeux qui sont super bien faits en multijoueur. Là, ils ont du coup changé, et on est sur un principe de team play total. Donc on crée des équipes jusqu'à 4 assassins, et on va jouer sur la partie d'un joueur à faire des missions en coopération et du coup à développer donc à la fois le niveau de l'équipe qui va faire qu'on a des multiplicateurs de gains d'XP et d'argent et à la fois à développer le pers la personne la partie de la personne sur laquelle on est et je dois avouer que le tout se fait de manière
très simple. On a l'impression d'être dans un MMO, c'est-à-dire que on est sur la partie de l'eau d'un des quatre de l'équipe. On peut aller n'importe où, quand on veut, où on veut. Et à partir du moment où il lance une mission et qu'on est tous d'accord pour la lancer, il nous inclut dedans, on accepte et c'est parti. On se retrouve au même point de départ et on lance la mission. Et ça, j'ai trouvé ça très 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 sympa. De toute façon, je vous le dis, le jeu a de grosses qualités. Il avait que pour moi qu'un seul gros défaut, c'est son aspect technique, quoi. C'est que le jeu n'était pas fini et il l'est toujours pas à mes yeux. Il n'est pas digne d'un triple A, pas digne d'un Assassin's Creed et de ce que représente un Assassin's Creed pour Ubisoft, même si il est jouable et on peut passer du bon temps dessus. C'est un peu dommage. Alors, j'espère que le Rogue, comme je disais, vu qu'il est sur des ambitions plus basses en termes de visuel, qui passera mieux et que du coup sur PC on va retrouver quelque chose d'éclatant parce que les Assassin's Creed sur PC, pour tout vous dire, c'est des dingueries. C'est des dingueries graphiques. Et effectivement, moi j'attends beaucoup de ce scénario avec un assassin qui se retourne et qui devient un templier. Donc le Rogue, je vais le tester avec impatience en tout cas. Je risque de l'avoir en fin de mois parce que je vais grouper les achats pour avoir le Resident Evil Révélation 2 aussi. Et du coup, je ferai une vidéo sûrement soit début de mois prochain, soit fin du mois. Et on comparera un petit peu les deux. Mais là, en tout cas, celui-là, moi, je vous le conseille. Surtout pour nous, Français, premier Assassin's Creed en France, ça fait toujours plaisir. Le gameplay est quand même relativement sympa. Je sais pas si je peux avoir accès à un magasin d'armes ou à mon équipement. Si, voilà, préparation de l'équipement et voyant armes d'armes, armes à une main. Et oui, tout ça à débloquer. Alors que ce soit par des défis Uplay, en les achetant. Et ça change vraiment le gameplay, la manière de jouer. Parce que chaque arme a une différence, va avoir une vitesse, un système de dégâts, donc on va vous demander de faire plus de coups, mais plus rapidement des fois. Enfin, c'est vraiment des choses particulières. Donc là, vous voyez les armes longues qui ont été introduites dans Assassin's Creed 2, si je dis pas de bêtises, qui sont des choses assez intéressantes aussi à pratiquer. Les armes lourdes, alors ça c'est pareil, ça change vraiment radicalement le style de jeu. Les pistolets. Armes à feu d'épaule, donc ça c'est une première. Vraiment pouvoir équiper les armes à feu d'épaule, c'est une première dans les Assassin's Creed. Avant on les trouvait sur les personnages secondaires, donc les gardes qu'on tuait et on les récupérait. Maintenant on peut vraiment l'équiper directement avec des petits trips qui se sont faits sur certaines armes. Et donc après les mortiers guillotines, donc ça en gros c'est des armes à deux mains mais qui sont aussi des mortiers, donc ça coûte très cher. Ça fait un dégât monstre sur les tirs, enfin c'est assez particulier. Ce que vous voyez également tout en haut, alors vous avez donc l'argent pour acheter des consommables in-game, vous avez l'argent pour débloquer tout ce qui est armes et autres, et vous avez donc les petits points. Donc là vous voyez que j'ai 2 points d'assassin. Ça c'est points d'assassin, c'est ce qui va en fait me permettre d'acheter des capacités, parce qu'en fait là où dans tous les Assassin's Creed vous pouviez crocheter des portes, faire des choses comme ça, et ça ne nécessitait que un petit gameplay à part et une petite concentration de votre part, là en fait tout est à débloquer. Tout est à débloquer. Donc là ça c'est les compétences coop, mais vous voyez par exemple là, je vais dans les compétences de discrétion, et là par exemple. On pouvait débloquer le double assassinat, le crochetage niveau 1, 2, 3, parce que vous avez des crochetages de niveaux différents. Et ça d'ailleurs, le crochetage, il faut le débloquer très vite. Ça, c'est quelque chose que je vous conseille, parce que pour pouvoir vraiment passer là où on veut, il faut toujours crocheter des portes. Et généralement, sur les missions un peu importantes, on a des portes de niveau 3 qui nous bloquent et qui nous poussent à aller dans les trucs les plus difficiles. Donc là, vous voyez, même le double assassinat n'est pas disponible dès le départ. Et le double assassinat aérien non plus. Là, je l'ai toujours pas débloqué d'ailleurs. Et c'est quelque chose qui manque. On se dit, mais moi je veux le faire. Mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'on incarne un assassin novice de base. C'est un gars qui découvre les assassins et on commence les premières missions. C'est vraiment la base de son apprentissage. Donc c'est quelque chose qui fait partie du jeu et qui s'intègre très bien dans le jeu et dans l'histoire.
Là, grosso modo, je crois que je vous ai parlé d'à peu près tout ce que j'avais à vous parler sur le jeu. C'est un jeu qui est quand même important, hein. C'est des sorties importantes comme les Call of, comme les Battlefield, comme les FIFA. C'est les grosses sorties de l'année. C'est vrai qu'au moment de sa sortie, pour moi, c'était un jeu pas raté, mais en tout cas, l'intention était ratée. L'intention était ratée et c'était dommage, mais comme souvent avec Ubisoft, limite le jeu est à faire 6 mois après sa sortie. Et là, moi je vous le dis, tel qu'il est actuellement, avec toutes les mises à jour qui ont été faites dessus, il est jouable, il est beau, il est intéressant à faire dans le cadre de la série et même en tant que jeu tel. Même peut-être plus en tant que jeu indépendant que de la série, que le jeu de la série d'ailleurs. Et en tout cas, ils ont bien retranscrit l'univers et tout le reste, donc moi je vous le conseille, clairement. Pour les fans de la série, bah, vous attendez pas à faire avancer la saga avec ce jeu-là. Vous attendez pas non plus à la meilleure expérience d'Assassin's Creed que vous ayez vue, même si ça pose, à mon avis, les bases pour le futur de la série, si courte puisse-t-il être. Je pense que ça pose les bases de ce que va être Assassin's Creed dans le futur, et c'est pour moi que du bon. Donc là-dessus, je vous laisse. J'espère vous avoir donné quand même envie de jouer à ce jeu, malgré toutes les critiques qui ont pu être faites dessus. Moi, c'est un peu pareil sur Watch Dogs. Watch Dogs, il y a eu des tas de critiques faites sur ce jeu, alors que moi, je l'ai adoré. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo dans les jours qui viennent. Puisque là, le rythme va réussir à s'accélérer. J'ai un peu plus de temps pour moi ces temps-ci. Donc je vais pouvoir faire des vidéos de manière plus constante. Donc un peu moins d'NBA, un peu plus du reste. Ou du moins, non, pas moins d'NBA, mais plus du reste en tout cas. Donc je vous donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Je vous dis bon jeu à tous et à plus.